La vue se brouille. Dorénavant, l'homme se nourrit de l'homme. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens pourtant d'un temps où régnait la culture et un homme qui l'a croqué à pleines dents. Nicolas. Ah mais c'est moi ça. Ah non mais rassurez-vous, on n'est pas dans Mad Max, hein. On n'est pas à Tchernobyl. Non, nous sommes à Uccange sur le site de l'U4, une ancienne fonderie de la vallée de la Fensch reconvertie en lieu culturel. Je connais pas mal le coin, je vous emmène faire un petit tour. Pour ce dernier épisode de la saison, la Bougeotte s'installe donc en Moselle, et plus précisément au cœur d'une friche industrielle, le dernier haut fourneau d'Uccange. Pour la rubrique « Réveille ton art », nous partirons à la rencontre d'un tatoueur dans la ville de Nancy. Pour l'enquête au Far East, direction la petite ville de Fismes, dans la Marne, où nous allons revenir aux origines du succès du Derzo. Enfin, nous allons vous proposer un live inédit qui réunit la grâce d'une danseuse et les notes de l'artiste lorrain Chapelier Fou. Mais avant d'arpenter cet impressionnant site sidérurgique, petit détour par Mulhouse, afin d'y rencontrer une artiste peintre pleine de talent. Je m'appelle Anne-Sophie Tchig et là nous sommes à Motoko. Motoko, c'est un lieu de résidence d'artistes, toutes disciplines confondues mais plutôt dans les arts visuels. Et moi je suis peintre, moi je fais que de la peinture et je cherche la couleur. C'est ma mission dans la vie. Je me suis rendu compte qu'il y avait trois catégories dans lesquelles je traînais depuis une trentaine d'années. C'est le paysage, le végétal et le portrait. Le portrait, c'est certainement la chose que je bosse le plus sur le motif, quoi. Donc je peins souvent des gens que je connais, des gens que j'aime. En revanche, ce qui est végétal ou les paysages, c'est beaucoup plus abstrait, ça part de base beaucoup plus intérieur, si je puis dire. Je passe toujours, tu vois, je commence par beaucoup de couches et après il faut qu'il y ait une espèce de chaos à un moment et après j'enlève et alors là j'enlève mais après je vais rajouter, je vais à nouveau enlever et j'attends de voir ce que ça me raconte au fur et à mesure, quoi. Je démarre toujours ne sachant pas trop où je vais, je commence par un peu par tartiner mes toiles pour faire des fonds avec différentes couleurs. Et ensuite, c'est comme si j'essayais de tenir un fil, c'est-à-dire que c'est la peinture qui m'indique où continuer, où aller. Et comme la peinture, c'est une suite d'accidents tout le temps, c'est trébucher, c'est revenir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement-là, c'est ce mouvement de répétition, ce mouvement d'échec perpétuel. Comme dit Beckett, c'est rater encore, rater mieux. Avec une espèce de boue et j'essaye de tirer des couleurs dominantes qui m'emmènent ici et là et très souvent j'ai des teintes plutôt cassées, enfin plutôt des gris chauds, des choses comme ça et à un moment je viens ponctuer avec des couleurs plus violentes. C'est presque un peu musical pour moi la couleur, quoi. C'est comme une espèce de succession de timbres. Moi, mon but, c'est de faire des progrès en couleur. Et ça, c'est mon obstination première, quoi. Là, par exemple, si j'enlève les points oranges qui sont très, très forts, eh ben, tout le reste casse la gueule. Par contre, ces points oranges, ils attirent vraiment beaucoup le regard. Et le risque, c'est que le regard, il bloque. Et ce que j'essaye de faire, c'est que l'œil puisse circuler tout le temps, qu'il puisse rebondir d'espace en espace, de couleur en couleur.
J'ai l'impression que tout m'influence et j'ai l'impression de piocher partout des trucs et d'être vraiment d'un caractère très faible et influençable. Et en fait, je fais une espèce de cuisine et on me dit qu'on me reconnaît quand même, en tout cas à cause de mes gammes chromatiques et ce genre de choses. Mais moi, j'ai l'impression que ça part vraiment dans tous les sens. Et je pense que l'important, c'est que justement, au final, il n'y ait pas l'idée du labeur. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et que ça retrouve à la fin, après tous ces déséquilibres et ces échecs, que à la fin de parvenir justement à une espèce de fraîcheur, quoi. C'est pour moi l'idéal, ça serait ça, et que ça semble fait avec une grande facilité, pourquoi pas, quoi. Il doit bien y avoir un moyen de rallumer ce haut fourneau. Qu'est-ce que... C'est complètement pourri. Ok, faut changer les piles. T'as du marbre. Salle de bain. Ah, démarrage. Je vais plutôt aller demander à Jean-Pierre. Voilà, touche pas à ça. Oh, sacré poigne, Jean-Pierre. D'ailleurs, ta petite claque a résonné parce qu'aujourd'hui, l'usine est vide. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qu'était cette usine au maximum de son activité? L'usine, elle date de 1890. Uckange, territoire allemand. Alsace et trois quarts de la Moselle étaient territoire allemand. Donc une famille allemande s'est installée ici pour y construire une usine sidérurgique. Ils ont construit jusqu'à 6 hauts fourneaux. Donc un haut fourneau, qu'est-ce que c'est? C'est une installation qui est haute, et fourneau, c'est un gros four. Ce qui sort du fourneau, c'est un mélange fer-carbone qu'on appelle de la fonte. Et alors pourquoi ici à Uckange d'abord? Uckange était 4 fermes, des vaches, des cochons et la place. Il y avait les voies naturelles pour amener du matériel et expédier. La Moselle, la rivière qui passe à l'entrée de l'usine. La voie ferrée qui passe juste là derrière. Et il y avait surtout dans le sous-sol, pas directement ici à l'aplomb, une dizaine de kilomètres vers l'ouest, il y avait la fameuse roche qui contient du fer, le minerai de fer lorrain. Et la spécialité de l'usine d'Uckange, c'était la fonte de moulage pour faire des objets en fonte. On ne faisait pas l'objet en fonte, le produit fini de l'usine d'Uckange était un lagot de fonte d'une dizaine de kilos, solide, qu'on vendait à des fonderies. Et ces fonderies refondaient ça pour faire les blocs moteurs de voiture, les bâtis de machines-outils, les radiateurs. Ça. Donc de la matière première qu'on extrait du sol lorrain à la poêle en fonte de mémé, oui. Au milieu, il y a cette usine à Uckange. Il y a l'usine d'Uckange qui était la seule en France. Alors Jean-Pierre, tu portes une belle broderie sur le cœur, oui. Mais que signifie l'ensemble de cet acronyme? MESSILOR, Mémoire culturelle et industrielle de Lorraine. Association... créé suite à la fermeture du fourneau en 1991 pour conserver une trace du patrimoine industriel ici en Lorraine. On a mis 10 ans à faire classer ce site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et MESSILOR s'occupe du site, de faire des visites guidées principalement. Et durant ces visites insolites, on ne parle pas de technique, on parle surtout d'anecdotes, de bêtises qu'on a fait sur l'usine. Justement, ces anecdotes, ces bêtises, elles font partie de la mémoire ouvrière qui est maintenant devenue du patrimoine. On m'a dit qu'il y avait des barbecues d'un type un petit peu particulier. Le fondeur, quand il est arrivé sur son plancher, il regardait ses outils, la pelle, elle est là, la pince, le ringard, et il cherchait sa brouette. S'il ne voyait pas sa brouette, il appelait son chef. « Chef, chef, j'ai pas de brouette, ça va pas, je ne peux pas travailler. » Le chef faisait un bon pour une brouette. Le fondeur allait au magasin chercher sa brouette. Il revenait tout fier avec sa brouette sur le plancher. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette brouette? Il ramenait un peu de sable, il enlevait quelques décombres. Mais surtout, à l'heure du casse-croûte, il prenait sa brouette, il mettait une couche de sable au fond pour protéger, il mettait des braises chaudes dedans, de la rigole de couler, quelques morceaux de bois, une grille par-dessus, et il faisait son barbecue là-dessus. De la saucisse à 1200 degrés. Voilà. Et on consommait un nombre incalculable de brouettes. Oui, j'ai cru que tu allais dire de saucisses. Jean-Pierre, on sent que tu as la mémoire de cette usine chevillée au corps. Comme autrefois les marins qui se faisaient tatouer leur histoire, eh bien figure-toi que Jean-Pierre, que je suis allé rencontrer un tatoueur du côté de Nancy avec ma marinière. C'est la rubrique « Réveille ton art ». À vous qui pensez que le tatouage est réservé aux gros bras, aux bikers, aux barbus, aux yakuza, détrompez-vous. Je vais vous montrer que le tatouage, ça peut être beaucoup d'amour et finalement si peu de douleur. Allez, vas-y, mon grand. Attends. J'ai juste un petit doute sur le motif, hein. Des têtes de mort, des cadavres, des églises brûlées et des crucifix, en veux-tu, en voilà.
Nous sommes dans un salon de tatouage sombre et lugubre nommé Satan. Pouette-pouette. Mais non, ici on retrouve plutôt des sourires, de la bonne humeur, on tatoue tout sans chichi. Laura, David, Victor ou encore Chantal, les anges déchus du shop, percent et impriment leurs différentes marques sous l'épiderme. Aujourd'hui, c'est David, alias Ergo, qui m'accueille afin de m'initier à cet art trop souvent rempli de préjugés qui collent à la peau. Bonjour David. Bonjour. Il y a des animaux empaillés autour de nous, des crucifix, des églises qui flambent. C'est pour une question de provocation ou c'est vraiment une esthétique que tu affectionnes? Oui, c'est avant tout une histoire d'esthétique quand même, parce que c'est quand même beau des choses qui brûlent. C'est quand même de la provocation, mais c'est quand même assez intéressant aussi. Ça change de l'usuel et du quotidien. Mais c'est surtout 15 ans d'école catholique et une inversion particulière pour l'Église, le dogme, tu vois. Et le tatouage, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours aussi subversif que ça? J'ai l'impression que ça se démocratise quand même. Dans le tatou, il y a une entrée dans la société, il y a plus de visibilité. On s'éloigne du caractère des taulards, du côté bagnard, prostitué, etc. qu'a constitué pendant très longtemps le tatou en France. Maintenant, on en arrive quand même à quelque chose de plus assumé socialement. En tout cas pour une partie des consommateurs de tatou. Pour moi, c'est vraiment la collection ultime d'art. C'est-à-dire que tu peux acheter un tableau, tu peux acheter une sculpture, demain tu as un accident de bagnole, tu vas crever loin de tes œuvres. Donc effectivement, aller acheter une œuvre à un artiste tatoueur et se la faire ancrer, c'est un échange vraiment et un achat ultime d'art, quoi. Ça après, l'art, hein, c'est on aime ou on n'aime pas, mais après... Eh ben alors allons-y, je vais faire de l'art qu'on aimera peut-être. On va faire de l'art qu'on aimera peut-être. Un chien qui sourit? Je m'attendais à être un peu plus Satan que Pouette-Pouette. Ça t'arrive souvent de tatouer des animaux domestiques? Ah ouais, super souvent. Là. Ah ouais? Après, je bidouille un peu les designs, tu vois, pour avoir un truc un peu intéressant. Je rajoute des yeux, tu vois. Moi, effectivement, il y a quelques années, j'ai pris une voie totalement artistique et je ne tatoue que mes propres designs, ce qui fait qu'il y a une identité esthétique et plastique dans mon travail. Et quand je vois le boulot de quelqu'un, bien qu'on ne signe pas, on peut reconnaître assez facilement, en ayant une culture, on peut reconnaître assez facilement tel travail de telle personne. Mais alors là, je suis bien d'accord. Je suis persuadé qu'on va reconnaître mon travail même sans signature. Ça, tu le chopes vraiment comme un stylo. Ouais. Donc regarde bien la position de mes doigts. Et celui-là, il est libre pour venir tendre. Bon, c'est ni plus ni moins que du décalcage, quoi. Ce serait peut-être le moment de leur dire que j'ai un peu la bougeotte. Ok, bon, pas dedans, mais c'est pas grave, avance. Qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est un petit peu du travail d'orfèvre, hein, mais le plus important, c'est que la cliente soit satisfaite. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de clim. Bon, c'est pas si pire finalement. Hein, on va s'en sortir. Il y a 2-3 trucs à reprendre, mais dans l'absolu, c'est si pire. Mais dites-moi, vous l'avez tatoué longtemps? Mais rien du tout, c'est lui qui tatouait. Allez! Voilà, c'est bientôt fini. Ah, c'est sûr que des circassiens, des artistes de rue, on en voit passer ici, mais des tatoueurs, jamais. Voilà, un beau cœur. Ça, c'est le plus beau des témoignages d'amour à faire à Muriel Pelosato, la responsable culture et patrimoine de l'U4. Je vais aller la voir tout de suite. Alors Muriel, il y a cet énorme monstre de fer derrière nous et pourtant nous sommes dans un lieu culturel. Comment est-ce que dans l'histoire de ce lieu, on est passé de l'industrie à la culture? Le site a ouvert ses portes en 2007. Nous avons démarré une saison
on va dire artistique, dans un premier temps grâce à la mise en lumière du site. Tout de suite après, on a vraiment souhaité développer le site et lui donner une vocation culturelle par l'intermédiaire d'événements spécifiques autour des arts de la rue et du cirque. Alors pourquoi on a choisi spécifiquement les arts de la rue et du cirque? Parce qu'on est sur un site qui s'y prête vraiment bien. Alors il y a des spectacles qui se jouent, c'est ce qu'on appelle une programmation, mais il y a aussi des artistes qui viennent créer des choses qui ensuite vont être estampillé, Ucange. On a une programmation qui se déroule sur nos 7 mois d'ouverture, du 1er avril au 1er novembre. Et durant l'année, on accueille également des artistes qui sont en résidence, donc qui viennent créer leur propre spectacle sur les lieux. On leur met à disposition des bâtiments qui leur permettent d'avoir vraiment un espace de création qui leur sont spécifiques. C'est important d'apporter de la vie artistique dans une vallée comme celle de la Fench? Oui, c'est important parce que déjà, ça permet de faire vivre le lieu d'une autre manière. Donc on est sur un site qui est patrimonial et touristique d'abord, mais on y apporte également un aspect culturel. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que c'est très complémentaire. Quelle est la première impression, à ton avis, toi qui contemples ça tous les jours, quelle est la première impression d'un visiteur, sa première fois à l'U4? Et des personnes qui découvrent pour la première fois le site sont assez estomaquées par la hauteur du haut fourneau, sa taille, cet effet un peu gigantesque qui nous saute aux yeux quand on arrive sur le site. Et c'est ce qui généralement marque l'esprit des visiteurs au premier. Est-ce qu'en 2007, tout le monde était d'accord dans la vallée pour que on fasse de la culture à partir d'un passé industriel? On avait toute une partie de la population qui a des attaches, mais on va dire des attaches liées au travail sur ce site-là, donc qui était vraiment un lieu de labeur et pas forcément un lieu de culture. Et d'autres personnes qui défendaient le projet pour dire finalement il faut qu'on se tourne vers les générations futures et qu'on permette de faire vivre le site autrement. Et donc je pense que cette partie finalement a trouvé sa marque puisqu'on est là aujourd'hui et qu'on est ouvert maintenant depuis 14 ans. Et depuis, l'U4 vit, la vallée de la Fench respire grâce à ce poumon culturel. Vous n'arrêtez pas de fer. On peut dire que c'est l'âge du fer, F-A-I-R-E. Il y a un petit héros gaulois qui a connu l'âge du fer, F-E-R. Il s'agit d'Astérix. Et nous allons partir tout de suite sur les traces de son créateur dans sa ville natale, Fismes. Moi, je l'aime bien, cette rubrique de l'enquête au Far Est. Mais j'en ai un petit peu marre d'être coincé dans cette caravane. Des fois, je me sens un petit peu comme idée fixe face à un arbre qu'on arrache. Oh, il me faudrait un petit coup de boost, là, un petit peu de vitamine. Je suis en train de me fatiguer, de me morfondre dans cette caravane. Eh bien, pourquoi pas? Si ça a fonctionné pour Astérix, ça fonctionnera pour moi. Partout à Tis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, c'est ce qu'on appelle plonger dans une bande dessinée. Astérix à Fismes? Moi, je le connais pas, celui-là. Mais qu'est-ce qui peut bien les unir? Je crois que c'est parti pour une nouvelle enquête menée tambour battant au Far Est. Fismes est une bourgade située à quelques kilomètres de Reims, dans la Marne. Autrefois, elle s'appelait Ad Fines Remorum. Ad Fines Remorum qui veut dire limite du territoire de Rèmes. À l'époque gallo-romaine, Fismes était entourée par les peuples Rèmes et Suétions. Et ce n'était pas facile tous les jours de cohabiter. Civis pacem, parabellum! Si tu veux la paix, prépare la guerre. On peut discuter un peu peut-être. Puis, dans la première partie du Moyen-Âge, Fismes connaît un certain calme. Jusqu'à la fin du 9e siècle, où la ville fut détruite par les Normands. Et puis par les Hongrois. En 1226, Fismes devient une ville libre. Les remparts grandissent, on y construit une église en pierre, un hôtel de ville et un château. Une ville flambant neuve. Jusqu'à la guerre de Cent Ans. Et puis les guerres de religion. Et enfin la fronde, appelée aussi guerre des Lorrains. Celle-ci détruit complètement les remparts et le château. Mais Fismes n'a pas connu que des malheurs, puisque des célébrités ont séjourné chez elle. En effet, les futurs rois de France faisaient étape à Fismes avant de se faire sacrer à Reims. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, jusqu'à Charles X en 1824. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de guerre, non ?
Première guerre mondiale, la ville est entièrement détruite. L'hôtel de ville, bâtiment historique, trépasse. Et enfin, après de nombreuses mésaventures, le 25 avril 1927, au numéro 26 de la rue Jean Hubert, Fim voit naître un futur grand illustrateur de BD. Albert Uderzo est né. L'un des papas de moi. Mais non, pas Nicolas, voyons, Astérix. La famille Uderzo quitte la Marne 2 ans plus tard pour rejoindre la région parisienne. Et c'est en lisant Mickey Mouse que le jeune Uderzo découvre la bande dessinée. Quelques années plus tard, il fera ses premiers pas à la Société Parisienne d'Édition, qui publie à l'époque Bibi Fricotin, Junior ou Le Cricri. Et au début des années 50, mes deux papas se rencontrent enfin. Le premier album sort en 1961, Astérix le Gaulois. Uderzo et Goscinny vont alors produire 24 albums des célèbres aventures d'Astérix. Des albums traduits dans plus de 100 langues. Bon, tout à fait. Cela représente tout de même près de 380 millions d'exemplaires. Même si les aventures de cette célèbre tribu gauloise font plus référence à la Bretagne qu'à la Marne, Uderzo est resté attaché à sa région de naissance. Amateur de belles cylindrées, il n'était pas rare de le voir au circuit de Reims-Gueux. Et puis, il était le parrain du Festival du Livre de Film, où il se rendait à chaque édition. Et malgré la disparition de son parrain, le festival ne redoute toujours qu'une seule chose... Que le ciel lui tombe sur la tête. Et dis donc, Jean-Pierre, t'es sûr qu'elle est assez chaude, la braise? Parce que moi, je mange pas cru, hein? Alors, pour moi, ça sera une chipot des hauts fourneaux. On vous remercie d'avoir été avec nous pendant toute cette première saison de La Bougeotte. On vous donne rendez-vous la saison prochaine. Et en attendant, on vous a préparé une petite surprise, un live de Chapelier Fou.